Apéro Rock, on est toujours au Big Jama, cette fois la première candidate vient de passer. Donc Lou Lucier, comment ça va? Vous sortez juste de scène là? En sueur. En sueur, ouais. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire c'est un peu l'eau du métier, mais ouais. Ça va. Taureau est tout humide. Ah, moi j'ai été, voilà, je vais la prendre en image. J'ai été humide. Il fait chaud, il y a les projecteurs, tout ça, l'adrénaline, tout ça, c'est super. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, ce que je voulais vous demander, ça, oui, ça ouais, a été très chouette, public sympa. C'est pas forcément évident de passer en premier. En général, les gens viennent juste d'arriver, ils sont un peu froids, quoi. Ils découvrent les lieux, etc. Et non, ils ont été généreux, ils étaient avec nous. Alors, toi, tu as un gros passé de, on va dire, de scène, ouais. Parce que tu as fait beaucoup dans des formations, on va dire, bon, c'est un peu typique, mais un peu rock'n'roll, reprise, voilà, balle. Ouais. Non, jamais de balle. Jamais de balle. Ah non, mais non, parce que c'était pas possible avec le répertoire que je faisais. D'accord. Parce que les gars du bal, quand ils démarrent à 8h du soir, ils finissent à 6h du matin. Avec une amplitude pareille, moi j'aurais été dead. Hein. D'accord, donc plus reprise. Bah oui, rock, rhythm and blues, enfin, ça allait de Queen en passant par, Brel. On faisait tout, quoi, du Janis Joplin, Aretha Franklin. Enfin bon, ça dépendait des formations, quoi. Et la variété. Voilà. Donc là, moi je tenais 4 heures avec à ce rythme-là, mais pas plus, quoi. Et j'ai vu que tu avais aussi. Tu rentrais dans la cour des grands, par la petite porte. Par la petite porte, mais bon, tu as signé des génériques, c'est ça, ouais, pour des... En tant que compositeur. Voilà, pour grandes chaînes, oui, de télé. J'ai pas signé en tant que compositeur le générique du Livre de la Jungle, je l'ai signé en tant qu'auteur. Et il se trouve que c'est drôle comme anecdote, moi j'ai participé, il manquait une voix féminine dans tout le casting, et puis très vite fait, juste pour que ce soit rajouté qu'il y ait le quota, j'ai fait un enregistrement pour aider justement à celui qui adaptait en composition le truc, histoire qu'il présente le nombre suffisant de chanteuses, mais c'était censé être un chanteur en fait. D'accord. C'est pour ça que c'était très anecdotique, et puis moi j'avais vraiment fait ça pour rendre service, et puis en fait non, ils m'ont pris. Un enregistrement comme ça rapide, fait rapidement, et ils m'ont pris également en tant que chanteuse. Qu'est-ce que vous a apporté le Big Jama là, jusqu'à présent? Ah, c'est pas mal parce qu'on a rencontré déjà des professionnels au deuxième tour, notamment avec lequel on a fait des ateliers, c'était difficile. Les résidences, ouais. Ouais, c'était assez speed comme programme, mais c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait. Moi, quand je compose, je suis sur ma table de mixage toute l'année, je travaille comme une fourmi. Je crache pas sur le fait d'avoir un petit peu de recul de temps en temps en apport, surtout que je suis assez solitaire comme tempérament, donc ça c'était... J'ai entendu pas mal de réflexions qui étaient intéressantes, des critiques très constructives, j'en ai tenu compte d'ailleurs, j'ai fait un petit peu évoluer mon set en fonction de ça. Elle est très modeste en fait, elle a obtenu la première partie grâce au Big Jama, oui, de Ben Oncle Soul. Bientôt, à commenter, ouais, grâce, ah oui, à Big Jama. Elle ne le dit pas, mais... Et je crois que tu fais une première partie aussi à Vichy ou à QC bientôt. La semaine prochaine, samedi prochain, je fais la première partie d'un artiste montant qui s'appelle Féloche. Ouais. Et j'aime bien ce qu'il fait. Pas mal. Non, ça va être super, du coup, ça va faire une soirée explosive. Ah oui, oui. Ouais. Donc ça t'ouvre quand même pas mal de portes au final. Oui. Enfin, le Féloche, c'est pas par rapport au Big Jama. Par contre, Ben Oncle Soul, oui. Et ça, c'est génial, quoi, pour démarrer. Moi, je suis ravie. Bon. Juste pour terminer, parce qu'on est un petit peu dans le speed du truc, on a une question traditionnelle à l'apéro rock. Imagine, t'es dans le plus grand bar du monde, tu t'imagines, le plus grand, le plus luxueux, pardon. Tu as la carte bleue de l'apéro rock. Qu'est-ce que tu bois? Il y a quoi sur la carte bleue de l'apéro rock? Tu tiens ta crédit illimité. Qu'est-ce que je bois? Crédit illimité. Je me prends un maxi martini blanc. Et toi, Taureau, qu'est-ce que tu bois? Moi, peut-être un petit ou plusieurs verres de Sauternes. Ah, voilà. Pas mal. Tu peux prendre la bouteille. Hein, voilà, on va prendre la bouteille. Ah, mais oui, j'ai pas pensé à la bouteille. Voilà. Toi, tu prends la bouteille de martini. Voilà ça, le maximum. Le magnum de martini. Je pense que je profiterai pour les taxes de Sauternes. Bon, on vous souhaite bonne chance. Merci. Et puis, on croise les doigts. Résultat tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un résultat. Et oui, il faut pas jouer en fait. C'est pas juste un concert, non, c'est un vrai concept ça. Ouais. Merci pour tout. À la prochaine. À la prochaine, avec plaisir. Salut. Ciao. Salut.
you time and time. You got me once, so why don't you blow me? You were fine, fine. You're filthy cute, baby, you know it. You know it, and creep. Get on top, creep. You will get creep. Don't you ever stop. Cream shattering bomb. You sugar, baby, they nobody better. Nobody better. So you should never have a girl back later. You're so cool, you're so cool. Everything you do is success. Make the bruise rules. Break them all, cause you are the best. Yeah? Yes, you are. Come on, cream. Get on top, cream. You will cut, cream. Don't you ever stop. Cream shivering bar. Look at Billy M, it's your time. Whoa, whoa, whoa. Do you dance? Why should you wait any longer? Take a chance. It could only make us stronger. You're so cool, cool. You are the best. Yeah. Yes, you are. Come on, cream. Get on top, cream. Where you will come, cream. Touch your leather, stop. Cream shivering bone.